Je m'appelle Jean Linares, je suis né à Auger. Et depuis l'âge de 14 ans, je travaille toujours dans la Côte des Blancs en tant que vigneron, tâcheron. Et là, dans cette parcelle, ça fait plus de 27 ans que je la taille. Et donc, je commence à tailler à partir du 1er novembre. Et essayer d'avoir fini de tailler tout mon lot avant fin mars. Mais ce qu'il y a quand on a du bon matériel, c'est vrai que là, vu ce que j'ai dans les mains, c'est génial parce que il tient bien la main, il est fin, il est puissant. Système de graissage, très bien. Et puis, il se faufile partout, vraiment, c'est du bon matériel. Et c'est vrai que grâce à ça, on peut. Ben, en tant que tâcheron, je m'y retrouve. Quoi. Ce qui est bien aussi, c'est que vu la puissance qu'il y a, on peut rectifier des fois au pied une charpente qui n'a été pas bien rasée, ou même sec, vraiment, d'une facilité, il le coupe. Bon, puis, question sécurité, ils fournissent aussi que les gants, qui sont confortables, anti-humidité. Et puis, ils résistent à la taille, parce qu'à la taille, les gants, on les déchire en peu de temps. Hein. Bon, quand il pleut, vous mettez le gant, la main droite, plus fin. La main gauche, pour le bois, il est plus épais et plus confortable. Et question de ça, comme il est connecté au sécateur, il n'y a pas de risque de coupure. Et des fois, il suffit qu'un matin, ou une mise en route, ou... Et ça peut arriver, hein. Ça a déjà arrivé. Hein. Mais au moins, il est anti-coupure. Puis la petite batterie, là, c'est génial. Au moins, tous les soirs, on rentre au chaud, on le recharge, même s'il y a encore d'autonomie. Et au moins, ça peut durer des années. Et c'est vrai qu'il a une sacrée puissance. Pourtant, c'est petit, mais il faut le dire. Hein, j'ai connu les autres. On voit l'évolution quand même. Hein. Ça bouge, ça bouge.